Bonjour, vous aimez les chips? Oui, bien sûr. Les faire à la maison, c'est encore meilleur. On a trouvé le produit idéal, le cuit chips. Couper, cuire, croquer. Il est en silicone, alvéolé avec des petits trous afin d'obtenir sans aucune matière grasse des chips croustillantes comme celle-ci. À l'aide d'un coupe-légumes, tranchez vos pommes de terre finement. Vos légumes et vos fruits étant coupés, disposez-les directement sur le cuit chips. Comment ça marche? Vous avez préparé au plateau, bien sûr. On va les cuire au micro-ondes entre 3 et 5 minutes selon, bien sûr, les fruits et les légumes. 3 à 5 minutes au micro-ondes. La différence avec la chips du commerce, elle est bien sûr aussi croustillante, c'est vrai, mais je n'ai pas de gras, j'ai très peu de sel et j'ai vraiment le goût à l'ancienne. Ça, ça vaut le coup. Coupez vos fruits ou vos légumes en fines tranches et placez votre préparation au micro-ondes entre 3 et 5 minutes. Sans ajout de matière grasse, vous allez préparer des chips naturellement croustillantes et savoureuses. On vient de cuire un roast beef dans le filet bien saignant. On va rajouter des chips maison croustillantes qu'on vient de réaliser avec le cuit chips au micro-ondes. Et bien entendu, je vais mettre quelques pétales de chips de betterave cru. C'est un délice avec le roast beef aussi. Couper, cuire, croquer. Je viens de cuire des chips au micro-ondes avec le cuit chips. Écoutez ce croustillant. Fabuleux. Alors, je vais alterner des belles chips comme ceci avec des tranches de saumon. Entre deux, une pincée de curry et on va monter un petit millefeuille maison. On a une entrée originale, croustillante à souhait, avec bien sûr ce produit merveilleux. Avec le plateau cuit chips, les chips n'auront plus de secret pour vous. Sans ajout de matière grasse, vous allez préparer des chips naturellement croustillantes et savoureuses en les plaçant au micro-ondes 3 à 5 minutes. J'ai fait caraméliser des oranges au micro-ondes sur le cuit chips. Et un décor qui sera très très agréable, aussi bien pour l'œil que pour le goût. Variez les plaisirs avec le plateau cuit chips en réalisant des chips de fruits et de légumes. Alors j'ai fait caraméliser des tranches de pommes, des tranches d'orange, de citron et je décore des cocktails, des coupes melba avec de la fraise. C'est un plaisir. Couper, cuire, croquer. Pas d'apéritif réussi sans chips. Vous l'adopterez, c'est les chips maison. Ça n'a pas le même goût, croyez-moi. Le plateau cuit chips passe au lave-vaisselle. Il est disponible en 4 coloris. Tranchez finement vos fruits et vos légumes à l'aide d'une mandoline ou d'un couteau. Disposez vos préparations et mettez le plateau cuit chips 3 à 5 minutes au micro-ondes. Ça y est, c'est prêt. Dégustez vos chips. Le plateau cuit chips est le partenaire idéal pour réaliser des chips légères et croustillantes. Un produit Vanteo.